Hello les gamers, les gamers, c'est Yonix pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2 pour un sujet assez approfondi. Euh, je vous en parlerai juste après. Euh, avant, euh, je vais vous parler que j'envoie cette vidéo à la Chroma. Euh, désolé, je me rappelle plus. Euh, Là, euh... <laughs> non, ça s'appelle pas comme ça, mais désolé, je je me rappelle pas très bien. Enfin, peut-être à cette chaîne communautaire. Euh, après à la Revo Community FR. Et la The Community Code. Euh, alors je voudrais parler sur cette vidéo euh, de euh, l'influence que prend Call of Duty euh, Sur euh, les autres jeux vidéo. Euh, oui, euh, on n'y pense pas tous, mais comment dire, euh, Call of Duty euh, est comment dire le jeu pratiquement le plus vendu au monde. Euh, et aussi euh, comment dire, le jeu. Euh, que comment dire on ne prend pas du tout euh, pour un jeu. Parce que je vais vous parler que... Euh, euh, Call of Duty, en fait, euh, pour nous devient euh, plus du tout un jeu puisque à chaque Call of Duty, on l'achète, mais on s'amuse plus du tout. Il euh, y en a même qui, comment dire, <laughs> jettent leur télécommande sur la PS3 euh, parce que, pour vous dire, euh, Far Cry 3 et Crazy 3 et tous les autres jeux sont bien achetés, mais pour vous dire, euh, toujours Call of Duty et on va dire plus vendu. Euh, que ces euh, licences euh, assez grosses euh, comme Far Cry 3 et Crysis 3 et euh, Date Space 3 sont moins vendues et c'est bien dommage parce que c'est des beaux jeux et pourtant Call of Duty euh, n'a rien d'aussi spécial, c'est juste des hommes avec euh, des mitraillettes euh, qui s'entretuent. Euh, ça tourne depuis euh, le code 4, puisque moi j'ai juste depuis le tout premier, mais faut savoir qu'au début il n'y avait pas tant de joueurs que ça, même Call of Duty était on va dire. Euh, le moins connu euh, des jeux vidéo à l'époque. Enfin, même s'il y avait une très bonne présentation à l'époque euh, quand il était sorti, je m'en rappelle très bien. J'avais même demandé à mon père de me l'acheter euh, dès qu'il sortait. Et c'était un bon jeu, mais à l'époque, euh, <laughs> il n'y avait pas tant de jeux que, que ça. Après, euh, comment dire, euh, les licences Far Cry 3. Euh, Crazy 3, enfin moi j'ai joué euh, personnellement les graphismes et tout ça sont très bien hein, enfin très bon et euh, je me demande pourquoi euh, tant de joueurs euh, hésitent à acheter Far Cry 3 et tout ça et que ils achètent bien euh, Call of Duty qui nous fait tout le temps au, autant rager et tout le temps euh, nous fait euh, déjà plaisir quand on fait des gros scores. Moi euh, par exemple ce gameplay enfin je ne le dirai peut-être pas en fait ça dépend de la chaîne communautaire s'ils veulent... Mettre le score dans le titre, c'est eu à eux de voir. C'était quand même un... On va bah dire assez bon gameplay, parce que euh, j'aurais pu vous présenter un meilleur gameplay, mais le problème, c'est que ce gameplay, je l'avais utilisé pour une commentaire autre, et je pensais pas faire cette vidéo. Euh, je regarde vite fait le temps, désolé. Euh, alors oui. Alors euh, aussi, je voudrais parler, comment dire, euh, de toutes les, les licences. fait enfin, Ça se dit pas, mais bon, c'est pas très grave. <laughs> euh, c'est juste que, comment dire, euh, Far Cry 3 est un bon jeu du côté graphisme. Euh, Call of Duty, côté graphisme, <laughs> laisse encore à désirer parce que vous voyez quand même les détails euh, dans la vidéo, c'est pas si bien que ça. Euh, quand on vise, c'est flou. Je me demande pour, pourquoi euh, ils ont fait ça, ces créateurs. Euh, même encore, Call of Duty a des gros défauts puisque quand on leur demande de supprimer, en fait il n'y a, a pas très longtemps j'avais entendu parler d'une pétition pour enlever euh, les euh, comment dire les charges électriques j'en avais entendu parler par un pote je ne sais pas si c'est vrai mais euh, apparemment euh, ils l'ont pas enlevé même ils, a, ils en ont on va dire eu rien à foutre euh, désolé pour pour ce mot <laughs> euh, et euh, comment dire les grosses licences comme Far Cry 3 et tout ça c'est on va dire beaucoup plus profondi sur les jeux vidéo ils sont à l'écoute des joueurs Puisqu'ils ont fait quand même d'énormes euh, comment dire pro, euh, pas dire euh, progrès euh, du côté euh, euh, comment dire euh, technologique euh, du côté Far Cry 3 mais si vous regardez bien Call of Duty en fait c'est le même jeu euh, pratiquement avec les mêmes armes enfin même changent change défaut des armes euh, les maps euh, elle change, mais bon, les maps c'est pas très dur à créer parce que euh, j'ai comment dire un pote qui est créateur de maps et ça lui prend même pas une journée à faire. Et euh, les modes c'est toujours les mêmes. Il y a, on va dire, aucun truc nouveau comme on voudrait avoir un mode euh, que sniper. Euh, il y a pas très longtemps, je crois qu'ils en avaient en, enfin, parlé euh, dans une, euh, je sais pas, ils en avaient parlé en tout cas. Et le problème c'est que quand ils en ont parlé ils ont pas pensé que pour la suite ça pourrait euh, amener que pour nous ça manquerait un truc parce que euh, on va dire que 50% des joueurs euh, Call of Duty ou un peu plus jouent au sniper et eux ça les intéresserait qui est que euh, des parties pour les snipers ça pourrait être très intéressant pour les joueurs et que Far Cry 3 on leur a demandé de, de changer euh, pas mal de choses dans le jeu euh, parce que j'en je, avais entendu parler qu'on avait euh, demandé euh, de faire des changements et ils les ont changés euh, au bout du deuxième euh, Far Cry et, euh, et à ce moment euh, Far Cry 3 on va dire que c'est euh, le, le jeu le, le plus on va dire le mieux en graphisme euh, Dead Space 3 est déjà pas mal en, en jeu on va dire euh, euh, on va dire flippant, puisque moi j'ai joué, j'ai eu un peu peur. Après, comment dire, il y a les petites licences, comme. Enfin, c'est pas vraiment des jeux, mais. On va dire, si, c'est des jeux, mais en plus petite partie. Comme j'en ai entendu parler sur les vidéos de V2F, comme les jeux de Slender et autres. C'est pas mal aussi, mais je trouve que Call of Duty prend une trop grosse ampleur par rapport aux autres jeux. Et pourtant, il n'a rien du tout de, de spécial. Désolé pour le bafouillage. Euh, et euh, je trouve vraiment qu'il pourrait, enfin, pourrait faire de plus gros efforts pour, pour nous, les joueurs de Call of Duty. Puisque, on va dire que pour nous, euh, le jeu à Call of Duty, c'est notre plaisir, c'est notre... Euh, à dire euh, notre énervement et euh, notre jeu euh, soi-disant favori. Euh, je parle de tous les Call of Duty réunis, pas que de Call of Duty Black Ops 2, puisque euh, on va on va dire que pour euh, tous les joueurs qui ne sont pas sur Call of Duty, mais bon, si vous êtes euh, abonné à la The Community Code, à mon avis, il y a une raison et la Revo. Enfin voilà, toutes les autres chaînes de Call of Duty. Il y a une raison d'être abonné à la, la chaîne de ça. C'est surtout, vous êtes amateur de gros scores et euh, des sujets qui touchent et des euh, débats comme celui que je suis en train de faire, euh, comment dire, qui sont intéressants. Euh, je vous mets juste vite fait le score. Enfin, pour l'instant, c'est pas, euh, on va dire, le meilleur de sa forme, puisque vous allez voir que, on va dire, vers euh, le milieu de partie, je vais euh, <laughs> démonter mon score. Euh, euh, très vite, je crois que ça va pas être dans longtemps. Euh, après, euh, je voudrais aussi parler de ma chaîne, bien sûr. <laughs> J'ai bien parlé de ma chaîne, bien sûr, dans, dans la vidéo. Alors moi, c'est Ionix. Euh, J'ai changé de pseudo il n'y a pas très longtemps euh, sur ma chaîne. Euh, vous le verrez bien sûr dans euh, comment dire euh, l'URL si je passe sur la The Community Code. Vous, vous verrez que le, le nom à l'arrière la, des vidéos enfin de l'arrière de l'url ou l'http je sais plus comment on dit euh, des vidéos n'est pas mon pseudo il faudrait que je trouve comment le changer je sais pas encore euh, après bien sûr euh, après je, je suis multi gamer je suis pas que sur Call of Duty puisque je trouve que la licence Call of Duty en ce moment enfin tout ce qui est Call of Duty euh, me désespère un tout petit peu euh, je voudrais que ça change un tout petit peu, Call of Duty qui fasse du nouveau, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Et euh, moi, je, on va dire que je fais euh, en ce moment euh, la série des vacances. Euh, euh, normalement, il y aura deux vidéos aujourd'hui au lieu d'une. Euh, enfin, aujourd'hui, on est le 26.02, Enfin, ça veut dire le. Enfin, vous devez savoir ce que ça veut dire. Et le problème c'est que <laughs> euh, à mon avis que je passerai peut-être sur la The Compti code euh, ou la Revo et tout ça, euh, ça sera sûrement le 30 ou autre. Mais ben, j'espère que comment dire vous allez euh, bien aimer euh, la vidéo, que vous allez peut-être vous abonner à ma chaîne. Et mettre un j'aime au, au minimum sur ma chaîne. Euh, ou mettre euh, même regarder les, les projets que j'ai sur ma chaîne. Euh, qui pourrait être pas mal à vous pour vous détendre puisque moi je me prends pas la tête sur mes vidéos vous pouvez les voir sur les, les dernières vidéos euh, puisque j'ai présenté mon côté foufou mais bon pour une chaîne communautaire il faut un minimum être sérieux alors donc euh, j'essaye d'être euh, très sérieux quand je passe sur une chaîne communautaire euh, après euh, euh, je vous conseille aussi euh, si vous voulez passer sur une chaîne communautaire trouver vraiment un sujet adapté euh, par exemple euh, je sais pas même si c'est dur à trouver un sujet essayez de faire mieux et euh, enfin moi personnellement je l'ai trouvé grâce à un pote à moi euh, et euh, c'était un très bon sujet euh, de conversation, euh, conversation pardon et euh, on est à la fin de la partie euh, et on termine par un 51 euh, 8 et j'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir tout le monde, c'était Ionix pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2.